bien c'est reprise V vous assure. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. Général Marc Sano, venez à la barre. Mettez Silla avec la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, général, on va continuer. Et en votre qualité de grand militaire et homme de l'art, et avec toute votre expertise, alors, quelles sont les conditions requises pour être nommé adjoint d'un commandant de régiment? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Il faut des actes. Mais très bien. Et quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant d'un camp comme celui de Koundara? Commandant d'un camp comme celui de Koundara. Oui, il faut un acte. Il faut un acte pour être nommé à ce poste. Et il y a des formations aussi à suivre. Il faut avoir ses connaissances normalement. Oui, quel est le grade requis? Hein? Le grade requis pour un commandant? Oui, pour être commandant d'un camp militaire. D'un camp militaire. Ça dépend du camp. Comme Koundara. Comme? Comme le camp de Koundara. Quel est le grade qui est requis? Bon, ça dépend si le camp contient une compagnie, un bataillon, un régiment. Parce qu'il faut ajouter ça pour qu'on voit qu'est-ce qui peut être. Je ne sais pas à Koundara si c'est une compagnie ou bien un bataillon. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Parce okay. que pas. En se contentant de vos réponses, pour être nommé commandant, pour être nommé adjoint d'un commandant, il faut des actes. Alors, et en l'absence des actes, alors, vous avez, lui a déclaré que Bégré et, comment il s'appelle, Marcel, étaient des adjoints du Touba. N'est-ce pas, vous avez eu tort en faisant de telles déclarations sans preuve? C'est une question. Oui, n'est-ce pas des déclarations sans preuve? Maître, je n'ai pas dit avec affirmation, j'ai dit ce que les gens disaient pas. Je reviens sur ma question. Oui. En faisant ces affirmations, sans acte de nomination, or seuls les actes de nomination doivent être des preuves. Hein? Alors, reconnaissez-vous avoir fait des déclarations sans preuve, oui ou non? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas dit avec affirmation. Parce que c'est ce que les gens disent. Maintenant, il y a acte, il n'y a pas acte. Moi, je ne le savais pas. Parce que je suis venu prendre le train en marche. Oui. C'est quand le CNDD a pris le pouvoir. J'ai été nommé, j'étais à l'intérieur de ce pays. Comme il y avait une structure qui est là, qui assurait la garde présidentielle, on m'a dit que la garde a sa structure, c'est commandé, ça ne relève pas de moi. Je ne me suis pas intéressé. Du reste. Ok, je ne vais pas insister, puisque vous ne voulez pas répondre à la question. Je vais continuer. Il y a une question qui vous a été posée ici par le ministère public, à savoir si vous avez ouvert des enquêtes contre des bérets rouges et des éléments des services spéciaux. Est-ce que c'était à vous d'ouvrir des enquêtes et contre ces personnes qui ne relèvent pas de l'état-major général des armées? C'était à vous d'ouvrir des enquêtes Quand le ministre de la Défense m'a dit que ça ne relève pas de moi, je ne pouvais pas
S'il m'autorisait de le faire, j'allais le faire. Est-ce que... Concernant les bureaux rouges. Est-ce que... Je reviens sur ma question. Puisque ces éléments-là ne relevaient pas de votre autorité, est-ce qu'il vous revenait d'ouvrir des enquêtes concernant leurs agissements ou bien il revenait à la présidence dont il relevait d'ouvrir des enquêtes? C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne pouvais pas le faire. Parce que je connais mon cas. Moi, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne relevait pas de moi. Très bien. C'est aussi simple que ça. J'ai déjà répondu. Vous avez eu à déclarer que les services, dans votre procès verbal de déposition, que les services de sécurité qui étaient déployés au stade étaient débordés. N'est-ce pas? Les services de sécurité étaient débordés par l'ampleur des événements. J'ai dit, vous avez déclaré ça dans votre déposition, oui ou non? Vous vous rappelez? Voilà. Oui. Et lorsque vous avez su que les services de sécurité étaient déportés, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Dès que la gendarmerie et la police sont désignées pour faire, ce maintien d'ordre, moi, à la fin, quand il y a eu tout ça, j'ai estimé qu'ils étaient débordés, sinon, ils pouvaient contenir. À quelle heure précisément vous avez su que les forces de sécurité après tout, quand il y a eu les dégâts, pour moi, ils n'ont pas pu maîtriser la situation. C'était à quelle heure? À quelle heure? Vers quelle heure précise vous avez su que les forces de sécurité... Après tout, tous les événements, les trucs étaient là, les cas étaient là, tout ça là. Et c'est là où je suis. Vraiment, ils n'ont pas pu faire leur travail. Donc, pour vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous n'avez été informé qu'après tous ces événements. Vous ne suivez pas l'évolution, le film? Vous ne suivez pas? Je réitère ma question. J'ai dit, est-ce que vous voulez nous dire que vous n'avez été informé que vers le soir, après tous les événements, du fait que les forces de sécurité avaient été complètement débordées par les événements? Mettre les faits. S'ils avaient maîtrisé la situation, j'allais comprendre. Monsieur le Président, vous pouvez m'aider? À quelle heure précise, lui, il a su que les forces de sécurité étaient débordées? C'est ça ma question. Mais c'est ce que je suis en train de répondre, s'il vous plaît. Allez-y, okay. Allez-y. S'il vous plaît. Ok. Hein? Ok, allez-y. C'est ce que je... C'est-à-dire, nous, quand on envoie une unité en mission, vous êtes parti pour une mission et vous essayez et vous réussissez à maîtriser sans rien, sans conséquences débordantes. Pour nous, la mission est bien remplie. Mais s'il y a des dégâts au cours, il y a machin, c'est que vous avez été débordé. Vous n'avez pas maîtrisé la situation. Puisque vous êtes censé être au courant de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à quel moment précis avez-vous été personnellement informé de ce que les forces de sécurité ont été débordées? À quel moment précis? Non, je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas de moment précis pour ça. Parce que je n'ai pas été au stade. On ne m'appelait pas pour me rendre compte. Mais la police et la gendarmerie rendaient compte à leur chef direct. La police au ministre et la gendarmerie au responsable. Est-ce avant 12h? C'était dans l'après-midi. Hein? Est-ce que c'était avant 12h ou bien c'était dans l'après-midi? Je n'étais pas sur le terrain, je n'étais pas avec eux pour savoir si c'est après ou c'est pendant.
Je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas préciser ça. Et lorsque vous avez su que les forces de sécurité étaient débordées, qu'est-ce que vous avez pris comme décision en tant que, en tant que chef d'état-major général des forces armées? C'est ce que je dis. Moi, je ne pouvais pas prendre de décision là-bas directement parce que la police est commandée par un ministre. La gendarmerie, par le haut commandement de la gendarmerie, qui n'est pas venu vers moi pour me rendre compte directement de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc je ne pouvais pas prendre de décision comme ça. Mais quand le ministre est venu, ce que je connais, j'ai rapporté ça auprès du ministre. Quel ministre? Ministre de la Défense. Quand est-ce que vous lui avez rapporté ça, puisqu'il n'était pas à Conakry? Quand il est venu. Donc, quand il est venu à Conakry. Vous n'avez pris aucune disposition pour limiter les dégâts par rapport à ce qui s'est passé au stade, sauf à l'arrivée du ministre pour lui rendre simplement compte. Pour moi, la police et la gendarmerie étaient sur le terrain. J'attendais qu'on me rende compte de ce qui se passe avec eux. Mais c'est après tout que moi j'ai constaté qu'ils n'ont pas pu maîtriser la situation. Puisque vous vous informez au fur et à mesure, et la police et la gendarmerie relevaient directement de vous, pensez-vous que vous ne pouvez pas intervenir? Ils ne relevaient pas directement de nous. Hein? Le directeur général, le directeur national de la police, relevait de qui? Oui. De vous, non? Le directeur général de la police, relevait de qui? Le ministre. Du ministre de la Sécurité. Oui. C'est les paramilitaires. Et le chef d'État-major. Ils sont fonctionnaires comme vous et les autres. Et le. Pas des militaires. Le chef d'État-major de la gendarmerie nationale, lui, relevait de qui? Le chef d'État-major de la gendarmerie nationale, il relevait administrativement, il relevait de moi. Administrativement, lorsqu'il est en maintien d'ordre, il relève de qui? C'est ça que je dis. Il est autonome. Quand on dit haut commandement de la gendarmerie, il est autonome. S'il y a des cas de débordement, comme ça a été pour les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'êtes pas même... Puisque lorsque vous avez convoqué la réunion au camp, il y avait la direction, le directeur de la police nationale. Il était là-bas. Oui, ils étaient tous là-bas. Voilà. Oui. Et est-ce que il y avait aussi le chef d'état-major de la gendarmerie nationale? Oui, il est venu. Donc, qu'est-ce qui vous empêchait de les rappeler pour les dispositions à prendre face au débordement? J'attendais que ces éléments-là m'appellent. C'est eux qui sont sur le terrain pour me donner des informations. S'ils ne l'ont pas fait. Donc vous, quelle que soit l'extrême urgence, vous n'agissez pas, vous attendez toujours qu'on vienne vers vous par rapport à vos subordonnés. Oui, maître, si c'était l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, ça se comprend. Hein? Mais la gendarmerie est un peu autonome dans ces... Je les commande administrativement. Je les commandais administrativement. Et on va avancer. Oui. Pourtant, vous avez les avez réunis pour leur donner des instructions. Je vais poursuivre. Vous pouvez nous parler du comité de crise qui avait été mis en place au camp Samori. Camp Samori. Oui, il y avait un comité de crise. Bon, je ne peux pas répondre parce que vraiment, comité de crise, je n'ai pas eu affaire à eux. Mon général, honnêtement, pratiquement, vous n'avez connaissance des liens au sein du camp. Je vais vous aider encore. Et c'est que moi, j'ai prêté beaucoup attention à la commission nationale et la commission internationale quand eux ils sont venus, parce que tout moment ils étaient en contact. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. Je parle du 28 septembre, le jour même,
oui. où il y a eu ces événements malheureux, oui. il y avait un comité de crise qui siégeait au camp Almamé Samori Touré. Vous n'en avez pas connaissance? Non, je n'ai pas tellement connaissance. Hein. C'est possible, mais moi, je n'ai pas eu à faire. Oh, je vais vous aider encore, mon général. Je n'ai pas. Je prends le procès verbal des dépositions du général Edouard Théa. Vous le connaissez, le général Edouard Théa? Je le connais très bien. Qui était-il au moment des faits? Hmm? Qui était-il au moment des faits? Il était le commandant du camp Samori. Hmm? Commandant du camp Samori. Est-ce que c'était le chef d'état-major adjoint? Ah non. Oui. Soit c'est le camp alors. Non. Ça fait longtemps. Je ne me souviens pas tellement. Oui. C'est quoi le BQG? Le BQG, c'est quoi? BQG. Mais c'est ça, je dis camp Samori. C'est le commandant de camp Samori. Ah, il était le commandant du bataillon du quartier général. Voilà. C'est le camp Samori. Très bien. Il dit. Parce qu'après, il a été nommé chef d'armée. Ok, d'accord. Très bien. Il dit ceci dans son procès verbal pour vous dire qu'il y avait un comité de crise institué au camp Samori. Mais vous n'en avez pas connaissance. Il dit ceci à la date du 28 septembre 2009. J'étais le commandant du bataillon du quartier général, oui. PQG. Oui. La veille, nous avons été tous consignés dans les camps sous l'ordre de l'autorité militaire. Dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? Il y avait un comité de crise institué et qui siégeait dans la salle de conférence. Vous avez dit au camp, frère, au début. Non, j'ai dit au camp Samori. J'ai bien dit au camp Almamé Samori Touré. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'il y avait un comité de crise? Oui. Très bien. Et que vous n'en étiez pas informé? De l'existence de ce comité de crise? Non, maintenant, oui, vous avez dit camp Samori, oui. Trouvez-vous oui, cela normal en tant que chef d'état-major général? Hein? Trouvez-vous cela normal en tant que chef d'état-major général? Qu'il existe un comité de crise pour la gestion des événements et que vous n'en soyez pas informé. Non, maître, c'est difficile de le dire. Ce temps et maintenant, c'est pas la même chose. Oui, bon, je comprends. Hein. Vous savez, vous ne voulez pas. Oui, oui, pourquoi, allez, pourquoi c'est pas la même chose? Voilà, oui. Pourquoi c'est pas la même chose? Quand vous dites ce temps et maintenant, c'est pas la même chose. Pourquoi? Très bien. Ouais, je vais dire en ce moment, c'est. Comment je peux dire. Il y avait. Comment je peux expliquer ça? Il y avait des choses qui se passaient. Honnêtement, en tant que chef d'état-major, on ne me mettait pas au courant. Ce comité. Si ça a été mis en place, je veux que vous partiez en profondeur voir comment le comité a été mis en place. Non, attendez, excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Et quand ils ont travaillé, à qui ils rendaient compte? C'est très important. Je me limite là. Qu'est-ce qui se passait en ce moment? Dites-nous. Hein? Dites-nous, qu'est-ce qui se passait en ce moment et qui ne se passe pas maintenant? Non, c'est ce que je dis. Il y a des choses qui se passaient. On ne me mettait pas au courant. On ne me mettait pas au courant. Je voyais les choses se passer.
et je n'étais pas au courant comment ils ont pu mettre les choses en place. Et qui le faisait? Hein? Et qui le faisait? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je voyais les choses passer comme ça. Vous étiez le chef pourtant? J'étais le chef, mais c'est difficile en ce moment de s'occuper de tout. C'était très difficile. C'était très difficile parce que... Vous êtes un témoin, vous pouvez parler. Hein? Oui. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Allez-y alors. C'est pourquoi il faut qu'il explique. Comment cette comité a été mis en place, ils rendaient compte à qui? Parce que je crois qu'ils étaient un peu autonomes. Vous savez, moi je suis avocat, je pose mes questions sur la base des éléments du dossier et on ne me pose pas des questions. C'est moi qui pose des questions, malheureusement, ici, monsieur Sano. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, vous savez, vous devez pouvoir parler. Si vous ne parlez pas, on ne saura pas ce qui s'est passé. Permettez-moi. La question de monsieur le président est très pertinente. On fait appel aux témoins, c'est pour qu'ils puissent aider à la manifestation de la vérité. Mais on a l'impression que vous retenez des informations. Ouais. Vous dites tout simplement, il s'est passé des choses. Mais vous ne voulez pas révéler ces choses. Révélez-les. Pourquoi vous ne voulez pas les révéler? C'est ce qu'on veut savoir. Il y a des choses qui ne concernent pas ce procès. Le déroulement du service en notre temps, c'était très mal structuré. Voilà, ça nous intéresse. En tant que, je donne un exemple, en tant que chef d'état-major, on pouvait ordonner quelqu'un de finir des choses que moi je dois faire. On ne m'informe pas. Je parle des choses comme ça concernant le service militaire. Qui pouvait ordonner? Voilà. Qui ordonnait? Très bien. Je voulais que vraiment, si le ministre de la Défense était là, c'était très très bien. Je vous donne un exemple. Les avancements qu'on a fait au temps du CNDV. On a fait tout le travail. J'ai coordonné et dans les différents états-majors, chacun a fait, ils ont envoyé, on a centralisé. Au moment de donner des documents pour la signature pour les grades, j'entendais des gens qui venaient dire qu'ils sont passés au grade supérieur. Ils venaient soit au service, à l'intendance, on les met sur l'état de salaire, le grade supérieur. Des cas comme ça, il y a beaucoup de... Je ne veux pas rentrer dans tout ça, monsieur le président, parce que ça ne concerne pas le procès. C'est un cas que je cite parmi tant d'autres. Vous savez, je ne veux pas révéler tout ça ici. S'il vous plaît, il y a eu des questions sur le fonctionnement de l'armée. Je pense qu'on vous a posé des questions ici sur le fonctionnement de l'armée. Oui. Voilà. Qui peuvent aider ce tribunal. Ça peut bien aider ce tribunal. Oui. Non, mais moi, excusez-moi, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ça ne concerne pas tellement de... le procès. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Puisque, à travers ce que vous venez de dire, vous n'aviez pas l'effectivité des pouvoirs attachés à votre qualité de chef d'état-major général des forces armées, pourquoi vous n'avez-vous pas pris votre responsabilité en démissionnant? Pourquoi n'avez-vous pas pris votre responsabilité en démissionnant? Voilà. Arrivé à un certain moment, j'avais bien sûr des informations
qu'on voulait m'enlever de ce poste. Je n'ai jamais insisté, j'ai laissé les choses se passer. La manière dont on m'a enlevé, ça a été décidé, je peux dire, dans un milieu restreint. Et quand ils ont fait les actes, l'acte pour m'enlever, j'ai été appelé par certaines personnes, que je ne veux pas dire le nom, et dit, le décret est fait pour t'enlever. Je les ai dit que si on veut m'enlever de mon poste, ils n'ont qu'à m'enlever. Mais je n'irai voir personne pour ça. Donc, moi je sais, on m'a tiré de mon sommeil. Il y a des heures tardives. Parce que les gens sont venus raconter du n'importe quoi. Ils voulaient savoir pourquoi vous n'avez pas démissionné. Ah, c'est ce que je dis. Allez-y sur ça. Oui, je n'ai pas démissionné. Parce que je savais qu'on voulait m'enlever. Donc j'ai laissé les choses passer. Mais pas au moment des événements, après les événements, et après que le président Dadis a quitté. Vous êtes là pour dire la vérité. Vous allez rappeler, s'il vous plaît, rappelez-vous à tout moment que vous avez prêté serment. Oui. Ici, de ne dire que la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité sur cette affaire. Donc, rappelez-vous de ça à tout moment. Bien. Allez-y, maître. Merci, monsieur. Au général, vous avez déclaré ici, je ne sais pas si vous pouvez confirmer vos déclarations. Comme quoi, lorsque vous avez été appelé par la représentante de la Croix-Rouge à l'effet de mettre à sa disposition des ambulances, vous avez aussitôt appelé le ministre de la Santé publique. Effectivement. Vous le confirmez ? Je le confirme. Vous avez appelé également Madame la directrice générale de l'hôpital de Dunka. Vous le confirmez? Je ne le connaissais pas. Vous l'avez appelé, oui ou non? Je ne l'ai pas appelé. Vous avez dit que vous avez appelé qui après le ministre? Lorsque le ministre de la Santé publique n'était pas parvenu à donner satisfaction à votre demande. Je ne l'ai pas dit. Si je peux revenir sur ce que je dis. Oui, ok, allez-y. Voilà. Quand il m'a appelé. Quand elle vous a appelé, la dame, non? La dame de la Croix-Rouge. Mm-hmm. Quand elle m'a appelé. Vous me demandez de trouver des ambulances. J'ai appelé le colonel Diaby. Je l'ai dit. J'ai dit, ah, ça ne va pas. On demande des ambulances. Parce que je sais que lui pouvait trouver la solution. Pour moi. Donc, il m'a dit, ah, les ambulances de l'armée sont en panne. Tout est sur table. J'ai dit, ah, la femme, elle insiste. Elle dit, bon, attends, je vais voir. Je vais appeler la directrice de l'hôpital Dunka. Ah, c'est le colonel qui vous a dit qu'il va appeler la directrice. Voilà. Ok. Après, elle dit, je te reviens après. Mm-hmm. Ok. Et pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à une autre personne? Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Défense? Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Sécurité, vous n'êtes pas adressé au ministre de la Communication, mais vous êtes adressé au ministre de la Santé publique. Pourquoi? Parce que, un, il a commandé le service de santé des armées. C'est de là-bas qu'il a été ministre. De deux, le ministre de la Santé de la République de Guinée. Il a la solution pour des demandes comme ça. J'ai jugé nécessaire, en l'appelant, lui peut trouver la solution.
Voilà ce qui m'a amené à l'appeler. Je vais vous résumer, ça veut dire que parce que la question qui était posée relevait de sa compétence en tant que ministre de la Santé publique, oui ou non? Effectivement. Très bien. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Lorsque cela s'est passé, vous vous êtes adressé au commandant Aboubacar Doumbouya. Au commandant du train. Voilà. Vous avez demandé à ce commandant et de mettre des camions militaires à votre disposition. Quand elle m'a dit qu'ils ont trouvé qu'une seule ambulance et si je peux trouver des camions, c'est elle qui m'a demandé. Laissez-moi aller au bout de ma question. Ok, d'accord, je pensais que vous avez fini. Excusez-moi, non, maître. Je n'ai pas fini. Excusez-moi, très faux. Lorsque des camions militaires ont été mis à la disposition de la Croix-Rouge, alors, est-ce que vous en avez informé le ministre de la Santé publique? Quand les camions j'ai mis, lui arrivé à Donka, il m'a dit... Eux, ici aussi, ils ont des difficultés. Il y a une seule ambulance. Il paraît que ça même s'est mis à la disposition. C'est le camion là qui transporte. J'ai dit oui. Elle m'a demandé des camions. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez informé le ministre de la Santé publique de ce que vous avez fait mettre à la disposition de la Croix-Rouge 4 camions militaires à l'effet de transporter des corps? C'est ce que je voulais expliquer, vous m'avez arrêté. Allez-y. J'ai dit quand il m'a dit qu'il est arrivé là-bas, il n'a trouvé qu'une seule ambulance. Et l'ambulance est déjà dans le circuit. C'est là où je l'ai dit, elle m'a demandé des camions, j'ai envoyé les camions vers elle. Je lui ai dit. Ok. Et quelles sont les dispositions qui ont été prises? Puisque la Croix-Rouge, vous avez parlé de sa représentante. La Croix-Rouge, à ce que je sache, ne relève pas des institutions sanitaires de notre pays. C'est une institution internationale. Alors, est-ce que vous en avez informé le ministre? Est-ce que le ministre, lorsqu'il a été informé, a-t-il pris des dispositions pour s'associer à la gestion de ses corps? Maître, je ne saurais répondre à cette question. Moi, ce qu'on m'a demandé, j'ai essayé de satisfaire cela. Dans sa fonction, ce qu'il doit faire, il le connaît suffisamment. Il est responsable de tout un département. Donc, ce qui se passe là-bas, moi, je ne peux pas apprécier ça. Parce que je ne suis pas service de santé. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai donné les moyens. Ils avaient besoin des moyens, ce qui était à ma disposition. J'ai mis à leur disposition, à la disposition du responsable de la Croix-Rouge. Vous êtes quand même d'accord avec moi que ces moyens-là, vous les avez mis à la disposition d'une institution internationale qui n'est pas nationale. On est d'accord? La Croix-Rouge n'est pas une institution sanitaire de notre pays. On est d'accord? Très bien. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est vous qui avez ordonné au commandant du train d'y procéder, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui l'ai ordonné d'envoyer les camions vers la dame. Très bien. C'est moi qui l'ai dit. Ok. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont ces camions militaires qui ont eu à
ramassés avec la Croix-Rouge, avec des chauffeurs également militaires, des corps au stade du 28 septembre. C'est ça, non? Oui, quand j'ai envoyé, c'était destiné à ça parce qu'elle m'a dit qu'il y a des blessés et des morts. Très bien. Et elle est débordée, elle n'a pas de moyens de mettre les moyens à sa disposition. Okay. Elle a demandé, je l'ai fait. Alors, après le ramassage, ces chauffeurs, des militaires et ces camions militaires sont venus avec des corps à l'hôpital de Donka, oui ou non? Donka. Où les corps, quand ils ont transporté les corps, ils ont embarqué les corps, où sont-ils allés? C'était vers quelle morgue? On m'a dit Yansdi. Ah, c'était vers la morgue d'Yansdi. C'est ce qu'on m'a dit. Ok. Lorsqu'ils sont venus avec des corps à la morgue d'Yansdi, alors, vous avez été informé? Oui. Avez-vous été informé de cela? Que les corps sont arrivés à la mort d'Ignace Dine. Oui, la dame m'a dit qu'il a laissé les chauffeurs, il les a dit de déposer les corps à Ignace Dine. Vous, oui. De votre côté, il se trouve que vous avez déjà mis des camions militaires à la disposition de la Croix-Rouge. Lorsque la dame vous remonte cette information, est-ce qu'à votre tour, vous avez appelé le commandant du train pour savoir qu'est-ce qui en était? Maître, s'il vous plaît, le commandant du train gère le matériel roulant. Quand il y a une mission, on fait la demande de préparer et mettre à la disposition. Lui, c'est ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Je pense pas. Il n'est pas parti au stade. Lui, il est là-bas. Il est au train militaire là-bas, au camp Samori. Est-ce que vous voyez? C'est quand les véhicules sont rentrés, il m'a confirmé que les véhicules sont rentrés. Encore qu'il a garé, au parc. Moi, je parle de leur arrivée avec des corps à bord des quatre camions. Oui. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que il n'y avait aucune place pour le moment, qu'il fallait préparer la morgue à recevoir ces corps. Lorsque cela s'était passé, est-ce que vous, on vous en a informé? C'est ce que je veux savoir. On ne m'a pas tout de suite informé. On ne m'a pas tout de suite informé que les corps sont arrivés là-bas et que je dis que après, quand j'ai entendu les machins, je les ai appelés. Quand j'ai entendu les gens parler des corps, je les ai appelés, je dis, mais comment ça se passe? Vous ne trouvez pas que c'est parce que vous n'avez pas voulu suivre et les instructions que vous avez données que ces informations vous ont été remontées plus tard? Vous comprenez maintenant? Si vous aviez... Quand cette dame vous appelle, vous savez qu'elle n'appartenait pas à nos structures sanitaires. Ce qu'elle faisait, c'était dans le cadre de l'humanitaire. C'est là d'ailleurs où les autorités du pays ont failli. Et lorsque cela se passe, vous qui avez pris soin de mettre quatre camions militaires à la disposition de la Croix-Rouge, vous auriez dû suivre cela en ne le faisant pas. Est-ce que vous n'avez pas été négligent? Non, ça, la Cour va apprécier. Ok. Je continue. Vous avez déclaré également ici que lorsque ces chauffeurs sont venus avec des corps à bord de leur camion militaire,
qu'ils auraient décidé de leur propre chef de transporter les corps de la mort pour le camp Samori. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, vous le maintenez. Vous l'avez dit ici. Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans l'armée? Lorsque vous agissez sur instruction militaire, si vous venez trouver une situation nouvelle, vous devez vous référer ou bien vous devez agir de votre propre chef. Comment ça se passe? Maître, ces éléments, ils m'ont dit qu'ils avaient la responsabilité du contenu des camions, qu'ils ne pouvaient pas exposer devant les gens. Quand ils ont vu, on les a dit qu'il n'y a pas de place, ils vont préparer. Pour ne pas avoir des regroupements autour ou bien quoi, c'est pourquoi ils sont venus. Ils ont décidé pour eux, en venant là-bas, c'est le contenu en sécurité. Pour eux. Donc, quand c'était prêt, ils sont partis déposer. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a une situation et c'est déjà, comme vous l'expliquez, sans être à même moi de me convaincre, est-ce que on ne devrait pas vous en référer pour vous dire bon, on est venu et voilà la situation qui est là, nous voudrions quitter ici. Parce que les corps, vous avez parlé de 157 corps et vous avez dit que c'est ce nombre qui aurait été porté à votre connaissance par la dame de la Croix-Rouge. Alors, et eux, ils ont pris la décision de quitter la mort avec ses corps. Est-ce que le camp est un endroit destiné à recevoir des corps? Si on m'appelait pour dire qu'ils envoyaient le corps au camp, j'allais prendre les dispositions nécessaires pour vraiment, pour s'occuper du corps. Mais ils sont venus à l'improviste, ils ne m'ont pas appelé. À l'improviste. Et après, ils sont partis déposer. Quand ils sont venus, vous en avez été informé? Non seulement ce sont des militaires qui agissaient sur vos instructions, vous n'avez pas suivi l'exécution de ces instructions. Ils ont pris les corps de la morgue pour un endroit qui n'est pas approprié pour un camp militaire. Et arriver avec le corps dans ces camps militaires où vous avez vos bureaux, est-ce que vous en avez été informé que les corps sont arrivés au niveau du camp Samori, Allemagne Samori Touré? À l'immédiat? Oui. J'ai été informé après. Quand ils sont arrivés? Oui. Très bien. J'ai été informé. Très bien. Et lorsque vous avez appris cela, en tant que la plus grande autorité de ces camps, est-ce que vous avez pris soin de venir voir le corps? Je ne suis pas venu mettre. Je ne suis pas venu mettre voir les corps. Pourquoi? Après, ils ont ramené à... Pourquoi vous n'êtes pas descendu voir les corps? Parce que je n'avais pas la responsabilité des corps. Ce n'était pas destiné directement à moi. Et ils ont amené les corps là-bas. Et ceux qui ont amené, c'est eux qui sont retournés avec les corps jusqu'à destination, là où ça devrait aller. Laissons même de côté, et toute considération militaire mise de côté. Oui. Vous êtes un chef de service. Vous apprenez que des corps sont arrivés au niveau de votre service. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller voir. Ou bien vous devez vous abstenir d'aller voir. Mais si ce n'était pas dans l'immédiat, c'est pas facile. Alors, je relève
et des corps ont été ramassés au stade du 28 septembre. Les corps ont été transportés par des camions militaires du stade pour la morgue. De la morgue où les corps ont été décomptés et il a été relevé qu'il y avait 157 morts. De là-bas, les mêmes militaires sont venus avec les 10 corps au niveau du camp. Samori, un camp militaire. Et puis, ils sont revenus déposer les corps à la morgue. Et après le dépôt, on s'aperçoit qu'au lieu de 157 corps, il n'y avait plus que 57 corps. Et pendant toutes ces opérations de ramassage, de transport, de dépôt, il n'y avait que des militaires. Aucune structure sanitaire du pays n'a été associée. Même pas le ministre de la Santé publique. N'est-ce pas la preuve que ces corps ont fait l'objet d'une gestion militaro-militaire? Je peux répondre? Oui, allez-y. C'est pourquoi la question est posée. Maître, c'est vérifiable. Les corps sont partis avec les chauffeurs. Il n'y a pas eu de corvée. C'est la Croix-Rouge qui a travaillé. Rien que la Croix-Rouge. Aucun militaire envoyé par moi ou dans le camion à part les chauffeurs n'a servi à ramasser les corps. Vous voyez, vous êtes d'accord quand même avec moi qu'en dehors de la Croix-Rouge, qui est une institution internationale, aucune autorité civile n'a été associée, sinon que le commandant du train et les chauffeurs de ces camions militaires qui sont tous militaires. Vous voyez, non? Vous êtes d'accord avec moi? Je peux parler? Oui. Maître. Oui. Comme on ne doit pas vous poser des questions, mais moi, dans ma tête, je me pose la question. Si ce jour-là, je refusais de donner les camions, qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on allait dire? Allez-y, le okay. Fait de donner le camion, les camions, ça devient un problème pour moi. Ça devient un problème. Mais si je refusais ce jour, qu'est-ce qu'on allait dire? C'était encore plus grave. Ah, tu as refusé parce que on allait me traiter de tous les mots. Le problème, le service, c'est que la dame a fait, elle a fait pour la Guinée, elle a fait pour les Guinéens, elle a fait pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont là. Elle a fait pour nous. Si elle a demandé ce service, je l'ai fait avec patriotisme. Et vous voyez que cette gestion, et moi je qualifie des militaro-militaires des corps, a été juste fait pour minimiser le nombre des corps qui étaient déjà, ces noms qui étaient déjà connus. C'était pour minimiser cela, pour pouvoir dissimuler le reste. C'est ça, non? Bon, je, ouais, c'est ce je n'ai pas connaissance, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais eu l'intention de subtiliser ou de cacher ou complotiser avec quelqu'un concernant ces corps. Je ne l'ai pas fait. C'est trop que vous avez instruit un commandant. Le commandant a instruit des chauffeurs militaires. Des camions militaires ont été mis à disposition. Des corps ont été bien décomptés. On a relevé qu'il y avait 157 corps. Mais
pendant que les personnes qui ont bénéficié de vos instructions menaient les opérations de ramassage, de transport et de dépôt, il y a eu de la dissimulation. Il y a eu de la dissimulation des corps. Des corps ont disparu. Pensez-vous qu'on peut imputer cette responsabilité à une autre institution en dehors de l'armée? Si je suis accusé ici, c'est parce que j'ai satisfait la demande qu'on m'a posée. Sinon, je n'ai pas géré. Je n'ai pas touché un seul corps. Si je suis accusé, c'est parce que j'ai donné les camions. Et je me pose la question, si je n'avais pas donné les camions. Mon général, oui. Veuillez dire la vérité au tribunal, ne couvrez personne, l'air de la vérité à son nom. Je le souhaite. Voilà. Oui. Dites la vérité au tribunal. Oui. Où sont les corps dissimulés? Où sont les corps dissimulés? Je ne sais pas où se trouvent les corps. Je ne le sais pas. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Bonsoir, mon général. Merci. Bonsoir. En général, je voudrais, avec la tolérance du tribunal, vous répéter de bien vouloir répondre aisément et honnêtement aux questions que je vais poser, parce que c'est des questions de nature et à faire en sorte que le tribunal puisse prendre une bonne et saine décision. Ici, vous n'êtes pas un accusé, vous êtes un témoin. Vous dites ce que vous savez et en toute honnêteté. Mon général, quand est-ce que vous avez fait la connaissance du capitaine Moussa Dadis Camara? Maître, s'il faut revenir sur... s'il faut toucher à ce point, Monsieur le Président, j'ai dit depuis en 90 jusqu'à 93, parce que 93, c'est les étudiants qu'on a recrutés dans l'armée, et les autres c'était l'ASPAD. J'ai participé à leur formation. C'est un monsieur que j'ai connu étant soldat. Je m'excuse, c'est mon président, mais je l'ai connu étant soldat. Très bien. J'ai participé à sa formation. Je suis satisfait. Et quand est-ce que vous avez fait la connaissance du général Sekouba Konaté? Général Sekouba Konaté, on a été recruté le même jour. On nous a envoyé au Maroc à l'Académie Royale pour le cours académique. On est d'accord que vous avez fait la connaissance du général Sekouba Konaté, oui, bien avant le capitaine Moussa Dadis Camara. Avant la prise du pouvoir par le CMRN. Selon vous, votre nomination à la tête de l'état-major général des forces armées, oui, a été grâce à qui, principalement? Et ça aussi, je n'étais pas en Guinée, Monsieur le Président. J'étais en stage en Chine. Je suis resté là-bas, on m'a nommé commandant de région adjoint des Érébos. Quand je suis rentré à Conakry, c'est vérifiable, le chef d'état-major, il est vivant. Ils m'ont donné une semaine pour rejoindre mon unité, Érébos. C'est là où je suis parti, j'étais en fonction. Quand il y a eu des événements pour le CNDD, je suis resté là-bas, j'ai été nommé chef d'état-major.
Selon vous, mon général, ma question n'est pas répondue. C'est grâce à qui, selon vous? Grâce à qui vous avez eu ce poste? C'est ça sa question. Selon vous, si vous savez, si vous ne le savez pas, c'est pas une obligation. Bon, le décret a été pris par le président, mais en commun accord avec le ministre de la Défense nationale. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est sur proposition du ministre de la Défense que le chef de l'État a pris la responsabilité de vous nommer chef d'état-major général des armées? Bon, c'est pourquoi je disais tout de suite à monsieur, au président, qu'il y a des choses que je ne veux pas venir là-dessus. Je respecte votre réponse. Hein? Je continue. Voilà, si vous ne voulez pas revenir sur ça, ça m'intéresse peu. Alors, vous étiez quand même un des acteurs potentiels de la transition militaire CNDD sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui. Raison pour laquelle je vais vous poser deux petites questions avant de continuer. Dans le CNDD, quel était le poids militaire et politique du général Sékouba Konaté? Dans le CNDD, oui. C'était le troisième vice-président, ministre de la Défense nationale. Mais on disait troisième, mais presque il était le numéro 2. Très bien. Parce que je suis satisfait. Jamais avec le président Dadis. Je suis satisfait. Leur amitié était vraiment. Je suis satisfait, mon général. Je vais vous rappeler une phrase que le président Moussa Dadis Camara a prononcée quand il passait ici devant le tribunal criminel. Il a dit ceci. J'ai partagé le pouvoir avec le général Sékouba Konaté à part égale. Est-ce que vous confirmez ce propos? Je le confirme parce que j'ai vu des choses qui m'ont sidéré. Au début, le capitaine Dadis, quand on envoie le repas, j'ai observé ça, on met sur sa table. C'est le général Sékouba Konaté qui prenait la cuillère d'abord. Il mange, après il laisse le président manger. J'ai vu ça de mes propres yeux et beaucoup de personnes que témoignent. Est-ce que dans ces conditions, tu sais que vous savez ce que vous aviez vécu? Est-ce que dans ces conditions, vous pouvez affirmer ici que le général Sékouba pouvait même prendre des décisions sans consulter le président Moussa Dadis Camara? Bon, maître, je ne veux pas tellement. Pourtant, vous devez dire ce que vous savez et ouais, vous n'avez je pas, veux pas, vous n'avez tellement pas vous commenter réservé, ça. Mon général. Mais. Si vous vous réservez, ça suscite des doutes. Dites ce que vous savez sans tabou. Non, je sans cache langue rien. De bois. Je ne cache rien. Voilà, juste ça tout l'heure. Il arrivait deux fois qu'il se déplace les nuits. Il vient rester chez le général Sékouba Konaté jusqu'à tardivement. Est-ce qu'il pouvait prendre des décisions? On va partir vite. Est-ce voilà, qu'il pouvait, le général Sékouba Konaté pouvait prendre des décisions sans consulter M. Moussa Dadis Camara? C'est sa question. C'est ça. Bon, en fait. Moi, personnellement, je les voyais toujours ensemble. Prendre une décision sans le consulter, je n'ai pas constaté parce qu'ils partageaient les choses ensemble. Très bien. Une autre question. Merci, monsieur le président. Vous aviez affirmé tout à l'heure une expression que je vais répéter, vous allez infirmer ou confirmer. On passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président de la République. Est-ce que vous maintenez ce propos? Je maintiens et tous les chefs d'état-major peuvent témoigner. Très bien. Dans ces conditions, on peut sans doute conclure qu'en aucun moment, le président non plus pouvait s'adresser à vous sans passer par le ministre de la Défense, n'est-ce pas? Oui, on passait toujours par lui pour accéder au président de la République. Alors, dans ces conditions, on peut conclure qu'en aucune manière, le président Moussa Dadis Camara
à poser un quelconque acte dans le cadre de vos attributions sans passer par le ministre de la Défense. Même s'il voulait nous faire des faveurs, il l'a toujours dit devant le ministre de la Défense. Puisque il dit, mes chefs d'état-major, voilà, ils n'ont rien, voilà, je veux faire ça. Puisque c'est le train militaire qui a géré le transport des corps du stade jusqu'à la morgue de l'hôpital Ignace-Dine, et le train militaire relève de votre autorité, et vous aussi, vous relevez de l'autorité du ministre de la Défense, qui pouvait vous contourner quand même à des moments. On peut aussi admettre qu'on ne peut aucunement admettre que le président Moussa Dadis a d'une manière ou d'une autre contourné le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, pour agir sur le patron du train militaire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, revenez un peu sur... Je vais être simple, hein? Vous avez été formel. Vous ne vous pouvez pas joindre le président sans passer par le ministre de la Défense. Oui. Le ministre, le président de la République aussi ne peut pas vous transmettre des instructions, vous donner même des faveurs sans passer par le ministre de la Défense. On est d'accord? Oui. Et c'est vous qui avez déclaré ici avoir ordonné au patron du train militaire de donner quatre camions, de mettre quatre camions à la disposition de la Croix-Rouge. Et dans ce dossier, on est en train d'accuser le capitaine d'avoir donné des instructions ou des moyens pour commettre les crimes qu'on poursuit. On l'accuse même d'avoir, disons, participé à la création d'une force commune. Alors moi, j'ai besoin de savoir, à partir du moment où vous avez affirmé qu'il ne pouvait pas agir ni sur vous, ni sur vos subordonnés sans passer par le ministre de la Défense, on peut sans doute admettre qu'il n'a aucune responsabilité dans la gestion des corps ou qu'il n'a posé aucun acte, en tout cas à votre connaissance, dans le cadre de la gestion des corps, n'est-ce pas? En ce qui concerne les camions, honnêtement, Monsieur le Président, je n'ai pas consulté quelqu'un. Quand on m'a dit, j'ai pris mes responsabilités, j'ai ordonné d'envoyer les camions au stade. Ça, c'est moi. Cette question est de savoir, est-ce que, à la fin, est-ce que le président Moussa Dadis Camara a été associé à la gestion des corps? C'est ça? C'est oui. Ça votre question? Oui, c'est ça, je ne peux pas le dire parce que je ne l'ai pas vu au camp là-bas. C'est bon. Je suis satisfait. Je ne l'ai pas vu au camp, ça m'a dit. Je suis satisfait. Je ne l'ai pas vu. Monsieur, mon général, on est en train de douter, en tout cas, ce que je viens d'entendre sur vos propos. Moi, en tout cas, pour le moment, je vous fais confiance et je suis en train de croire en ce que vous dites. Et je veux que vous continuiez, n'est-ce pas, à ne pas vous réserver sur ce que vous savez. Tout à l'heure, vous aviez déclaré que les leaders politiques passaient tout leur temps avec le président, raison pour laquelle on n'était pas très sûr de la tenue de la manifestation. Vous maintenez ce propos? Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez, que c'est le même propos que le témoin qui vous a précédé hier a tenu ici à la barre de ce tribunal? Vous revenez, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que c'est la même chose que M. Thibault Camara, qui est passé hier, a répété? Oui, je sais. Bon, je n'étais pas dans la salle, je ne l'ai oui, pas suivi. Maintenant, je vous informe, que M. Thibault Camara a répété exactement ce que vous venez de dire. Ok. Donc, ça veut dire que vous dites la vérité. Et vous allez comprendre avec moi que tout ce que vous dites, c'est la vérité. À partir du moment où ni le président de la transition, ni l'état-major n'étaient même pas sûrs que les manifestations du 28 septembre 2009 auraient lieu, est-ce que selon vous, il était dans ces conditions possibles
de planifier des crimes alors qu'on n'a pas la certitude que la manifestation aura lieu. Bon, moi, ça me surprendrait parce que vraiment, ce qui s'est passé à son niveau là-bas, je n'assistais pas trop à ça. Et puis, ces rencontres avec les ministres, moi, j'étais en dehors de certaines personnalités. Nous, on venait quand il fallait rendre compte de quelque chose. On passait par le ministre pour venir le voir. Mais que je soupçonne qu'il a organisé... Monsieur le Président, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat. Mais j'ai failli avoir un coup. Excusez si je peux expliquer. Allez-y. Avec votre... J'ai failli avoir un coup. Des gens qui sont venus dans le bureau du président Dadis. Ils ont raconté sur moi qu'ils m'ont vu dans la cour de l'ancien ministre de Sékou-Touré à Matam, à Boussoura, Marcel Prost, que je faisais des réunions avec les gens, dont ils ont cité le commandant Kader qui commandait le bataillon autonome des troupes aéroportées, Bata. Ils sont venus lui raconter des choses, ils ont même enregistré des sons. Ils sont venus lui dire, ah, ton chef d'état-major là, il n'est pas ici. Ce jour-là, le ministre de la Défense était à côté de lui. Il a cerné les gens là qu'il faut trouver qu'il faut trouver ce qu'ils ont dit. Il les a coincés. Ce jour-là, je quitte la ville au bureau, je viens, parce que chaque jour, après la ville, je venais vers 14h-15h là-bas, je vois le ministre. Et s'il y a pour prendre des instructions ou pour rendre compte de ce qui s'est passé la journée. Le ministre était dans son bureau, je me suis rendu là-bas. Quand il est venu, il parlait, après il s'est fait. Après, c'est lui qui parlait, il dit, monsieur le chef d'état-major, il paraît que tu étais à une réunion. J'ai dit, hé, ma première nouvelle. J'ai dit, moi, j'étais tellement étonné. Après, il dit, je ne dirai pas de nom, mais celui qui a fait ça, il ne va plus faire. Il ne va plus refaire, parce que je l'ai dit de montrer les preuves. Le son qu'ils m'ont fait écouter, ce n'est pas ta voix. C'est bon. D'autres questions? C'est bon. Mon général, je ne veux pas. Vous êtes témoin et le témoin du ministère public, de celui qui accuse le président Moussa Dadis Camara. Il a été déclaré ici que le président Moussa Dadis était au Marocana. Et vous venez de dire que quand vous avez pris vent de ce qui s'est passé au stade, vous vous êtes rendu au camp. Effectivement. Vous avez trouvé le président dans un état que vous avez décrit. Est-ce que cet état ressemblait à une personne qui était au stade? Pour moi, non, parce qu'il était fâché que les gens l'ont empêché de sortir pour aller chasser les militaires. Est-ce que ils ont caché la clé de son véhicule. Très bien. Voilà. Est-ce qu'une personne qui a planifié l'exécution des crimes qu'on poursuit aujourd'hui au stade pouvait prendre le risque de se rendre au stade pour s'interposer comme il vous a dit? À ma connaissance, non. Très bien. Alors, parlons du 28 septembre 2009. Je voudrais vous poser des questions par rapport au corps, mais ces questions ont été posées, donc je continue. Je continue également sur cette question. Bien. Sur cette histoire de retour des camions
de 4 camions au camp. Bien avant votre comparution, on a souvent fait allusion au procès verbal de déposition du général Edouard Théa. Par rapport à des camions qui auraient été refoulés par le général. Est-ce qu'une seule fois, le général Edouard Théa vous a dit ou vous a rendu compte qu'il a refoulé des camions qui voulaient rentrer dans l'enceinte du camp Samori? Non, le général Théa ne m'a pas dit. Très bien. Alors, parlons du général Sekouba Konaté. C'était votre patron, vous le fréquentiez, vous le voyez habituellement. Effectivement. Ces gardes-corps relevaient de la sécurité présidentielle ou du chef d'état-major général des armées? Les gardes-corps du général Sekouba Konaté, oui, relevaient-ils du régiment de la sécurité présidentielle ou c'était des éléments qui relevaient de votre autorité? Le général Sekouba Konaté, monsieur le président, c'est pas pour discuter, mais c'est pour apporter de la lumière sur ça. Quand on l'a affecté de Massanta ici, on l'a nommé commandant du bataillon des troupes aéroportées. Il commandait le bata. Donc, quand il y a eu ces événements, c'est ces hommes qui étaient derrière le bata. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On est d'accord que les hommes de Sekouba ne relevaient pas du régiment de la sécurité présidentielle. Ils étaient de bata. Très bien. Est-ce que vous savez que même Toumba, Abakar Toumba Diakité, a confirmé ce que vous venez de dire dans son procès verbal? Je vais, avec la permission du président, dire ce que le commandant Toumba avait dit dans son procès verbal et devant ses avocats. Il avait dit ceci, que le général Sekouba Konaté avait ses propres hommes. Le général Sekouba Konaté avait ses propres hommes. N'est-ce pas la confirmation de ce que vous venez de dire? Oui, parce que je connais un peu l'armée guinéenne, le fait de former beaucoup de personnes. Et je vais, avec la permission du président, lire la page 6 du procès verbal de Toumba. Pour confirmer ce que vous venez de dire, je sais à quoi j'en viens. Il est dit quelque part, le général Sekouba avait sa propre garde constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Bon, je ne peux pas donner de précision sur ça. Je voyais sa garde derrière lui. Mais dire que c'est lui qui était plus armé ou bien l'autre, je ne sais le dire. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer ici que vous n'aviez pas d'autorité sur les gardes du général Sekouba Konaté? Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Est-ce que vous confirmez également que les gardes du général Sekouba Konaté portaient des bérets rouges? Oui, leur unité, c'est le bataillon des autonomes des troupes aéroportées. Ça, c'est les bérets rouges officiellement, et parce que c'est des paracommandos. Bien, le 28 septembre, il a été décidé par l'état-major, sur instruction du haut lieu, que tous les militaires doivent rester dans les casernes. Tous les militaires doivent rester dans les casernes. Et que c'est la police et la gendarmerie qui devraient assurer le maintien d'ordre. Et dans ce procès, on parle des infiltrés. Mon général, selon vous,
si ce jour, en dehors des policiers et des gendarmes, des militaires se retrouvent au stade sans l'ordre de la hiérarchie, n'est-ce pas, on peut les appeler aussi des infiltrés? Oui, bon, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui relevait directement de moi. Le cas spécifique des bataillons autonomes aéroportés, je n'avais pas l'ascendance sur ce bataillon, à vrai dire. Le commandant qui était là-bas rendait compte directement au ministre de la Défense. Je n'ai pas cité le bataillon, je n'ai pas cité la garde présidentielle. Oui. Je suis en train de partir d'une logique. Vous êtes militaire, votre culture militaire, vous devez aussi la partager avec le tribunal. Oui. Vous devez le faire d'ailleurs sans passion, sans état d'âme, sans parti pris. Si l'État major a décidé qu'aucun militaire, tous les militaires doivent être consignés, et que c'est la gendarmerie et la police qui ont le monopole du maintien de l'ordre public, si au-delà de ça, des militaires, quelle que soit leur provenance, se retrouvent au stade, n'est-ce pas, ce sont des infiltrés? Pour moi, oui, parce que... Très bien, je peux continuer. Voilà. Je peux continuer. Alors, vous aviez apporté des réponses ici avec assez de doutes. Je vais revenir sur ça un peu plus en bas. Pour les soutenir avec des choses. Parlons de Kaléa. Hein? Est-ce que vous maintenez vos propos selon lesquels le ministre de la Défense m'a dit que le recrutement de Kaléa n'est pas mon problème? Je maintiens. Est-ce que vous maintenez également ce propos selon lequel le général Tsekouba vous a dit que ce sont les gardes et que leur affaire ne vous intéresse pas? Oui, effectivement. Est-ce que vous savez, et c'est consigné au dossier de la procédure, que les premières recrues au nombre de 600 ont été dans le village, en tout cas ont été recrutées dans le village du général Sekouba Konaté? C'est en suivant le procès que j'ai appris ça, parce que je ne me suis pas intéressé. Pas quand vous étiez aux affaires, s'il vous plaît, vous aviez quand même le renseignement militaire, hein? Le? Vous avez parlé tout à l'heure, hein, d'un militaire, oui, très discret, qui vous fournissait des renseignements. Oui. À cette époque-là, vous n'êtes pas accusé ici. Et je pense que la liberté dans vos réponses va être déterminante dans ce que le tribunal va tirer de ce que vous allez dire. Est-ce que même dans vos renseignements, vous n'avez pas appris que les premières recrues, des centaines de personnes, provenait du village Sana du général Sekouba Konaté? Sincèrement, la même sous la conscience, c'est ici que j'ai appris ça. Je sais qu'ils ont recruté, ils ont dit que c'est leur garde. Ça, je le sais, on m'a dit ça clairement. On continue. Donc, je ne me suis pas intéressé quand des vous, détails. Quand vous dites ils ont recruté, vous voulez faire allusion à qui? À la garde présidentielle. Non, c'est la garde présidentielle qui a recruté. Vous avez dit ils ont recruté. Qui? Je ne sais pas comment le recrutement a été fait, mais le ministre de la Défense, moi, m'a dit que ce n'est pas notre problème. Qui ont recruté? Parce que vous avez dit ils ont recruté. C'est ce que je dis, la garde présidentielle. Pas la garde présidentielle. Ils ont recruté, vous avez dit. Ils ont recruté, ils ont dit que c'est leur garde. Ils ont recruté, là, c'est qui? Oui. Peut-être que ça a été mal dit, mais quand le ministre m'a appelé, il a dit que ce n'est pas mon problème. Peut-être quelqu'un d'autre aussi viendra
Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Donc, mon général, vous avez une fois entendu parler de Siam quand vous étiez aux affaires. Je ne veux pas que vos réponses proviennent de ce que vous avez entendu dans ce procès. Au moment où vous étiez aux affaires, est-ce que vous aviez entendu parler de Siam ou du camp 66? Oui, j'ai entendu parler de Siam, je connais même le camp. Ce camp? Ce camp? Les éléments qui étaient en formation dans ce camp relevaient de l'état-major général des armées ou de la sécurité présidentielle? Voilà. Il y a Siam relève de l'armée de l'air, l'armée de mer, la marine. Kankan, Kissidougou, Kindia relève de l'armée de terre. Les centres d'instruction là ont toujours formé des recrues. Ma question est bien précise, si vous permettez, monsieur le président. Laissez-le finir. Je vous en prie. Voilà. C'est quand là ont toujours formé des recrues. À Siam que vous parlez, c'était les marins qui étaient là avant. Et ces marins-là, je crois, sont sortis quand, je crois, ils sont rentrés au temps de Lassana Conté. Hein. Ils sont sortis au temps de CNDD. C'est après, moi j'ai appris que les recrues sont là-bas. Les recrues. Quelles recrues sont là-bas? Les recrues qui ont été formées pour la garde présidentielle, qu'il y a certains qui sont là-bas. Vous avez été nommé quand à la tête de l'état-major général des armées? En 2009, oui. Quel mois? Je ne me souviens pas tellement maintenant, mais je veux me rappeler après. Je pense que ça ne devrait pas être au-delà de janvier. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Hein? J'ai dit, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que vous vous souvenez de ce recrutement qu'on a appelé recrutement CNDD? C'est-à-dire, je veux expliquer très rapidement avec la permission du président. Quand, après le décès de Lansana Conté, il y a certains militaires qui avaient été renvoyés, n'est-ce pas, de Siam, parce qu'ils n'avaient pas satisfait auparavant aux exigences de la visite médicale. Il fallait les remplacer. Et dans ce cadre-là, tous les chefs militaires et presque plusieurs membres du CNDD ont fourni des hommes. Ces hommes sont aussitôt rentrés en formation. Est-ce que vous vous souvenez de ce recrutement-là? Ouais. Je peux expliquer un peu. Allez-y. Parce que quand les marins étaient là, moi j'étais en Chine. Je suis venu, ils sont sortis au dernier. Mais le recrutement qu'il y a eu au temps de Lansana Conté, vous savez, pour un recrutement, on compose les numéros matricules. Qui reste disponible au bureau de recrutement. Ces matricules, le reste des matricules là, n'étaient pas attribués. Donc quand on est venu, c'est ce que vous voulez dire. On a envoyé certains à Kissidougou, à Kindia, et d'autres étaient à Siam. Effectivement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je parle pas de ça. Ouais. Et ça, vous ne pouvez pas dire que vous ignorez ça. Parce que c'est important la question que je vais poser. Il y a eu un recrutement qui n'a rien à voir avec Aléa. Hein? Ça, je vous le dis clairement. Ce recrutement n'a rien à voir avec Aléa. Non, c'est ce qui... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Aléa, avant, recevait des élèves gendarmes? Oui, c'est un camp qui appartient à la gendarmerie. On est aussi d'accord que Siam, c'était pour l'armée des mers. Oui. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal qu'après la sortie des marins, les éléments qui avaient été recrutés pour être formés à Siam relevaient de l'armée des terres? Mais c'est ce que je veux vous dire là, oui effectivement. Ou oui ou non?
Oui, c'est ces matricules-là qu'on les a donnés. Est-ce que c'est le vous êtes d'accord avec moi, oui, que les éléments qui ont été recrutés et formés dans ce centre relevaient de l'état-major général des armées? Oui. Très bien. Très bien. Je continue. Alors, est-ce que vous avez souvenance que ces éléments étaient en formation et que leur formation n'était même pas terminée? On les a bombardés du grade de caporal. Vous avez souvenance? Bon. Affaire de nomination, là, c'est un peu compliqué. Qui gère les avancements grades? C'est un peu compliqué. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Ah oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Qui gère les avancements grades? C'est normalement, c'est le ministre du chef d'état-major général. Alors, vous devez pouvoir vous exprimer avec précision et ça. Mais ça, j'ai appris que ces gens. Vous l'avez appris, pourtant c'est vous qui gérez les avancements grades. J'étais dans. Bien. Vous avez appris, c'est ce que vous avez dit ici, oui, que Toumba avait pour adjoint Beugré et Marcel. C'est vous, c'est ce que vous avez Toumba appris. Et Marcel. Très bien. Bonjour. Est-ce que vous savez, et là nous avons produit cela au dossier de la procédure, une vidéo, une courte partie, que M. Aboubakar Toumba Diakité à votre place. Je ne sais, par magie de Dieu, a ouvertement avoué ici que les gens ne savaient pas ce que j'ai dit est soutenu par une vidéo qui est produite au dossier de la procédure. Ça a été dit ici. Que les gens ne savaient pas que j'étais le patron de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous le savez? Les gens ne savaient pas. Toumba, à votre place là-bas. La vidéo est là et je l'avais déjà communiqué. Il dit que les gens ne savaient pas, et je vais dire encore autre chose qui va confirmer ce que je suis en train de dire, que c'est moi qui étais le commandant de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, dites que vous ne le savez pas. Bon, officiellement, non. Très bien, je ne parle pas d'officiellement, hein. Date. Je suis d'accord avec vous. Et les gens le disaient. Voilà. On entendait pas. Moi, général, mais je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas vu date. Je suis d'accord avec vous. Oui. Il n'y a ni décret, ni arrêté qui nomme Aboubakar Toumba dans les fonctions de commandant de régiment. Je mais n'ai pas vu. Il n'y en a pas. Est-ce que vous vous souvenez que le colonel Aïdor, qui était auparavant nommé commandant de régiment, son adjoint, ça, Alphonse Touré, avait été écarté, évincé, arrêté et détenu quelque part, quelques mois après leur nomination. Est-ce que vous le savez? Oui, à un moment, il y a eu changement à la tête. Mais moi, je ne m'intéressais pas tellement parce que ce n'était pas mon problème, quoi. Très bien. On m'a écarté de ça. Est-ce que vous savez que M. Aboubakar Toumba Diakité lui-même, dans la presse, sur RFI, ses audios sont au dossier, le moment venu, le tribunal va les faire écouter par tout le monde. Dans les médias en ligne, les médias, la presse écrite, a lui-même reconnu avoir exercé, dans les faits, les fonctions de commandant du régiment de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous le savez? Oui ou non? Bon, non. Très bien. Est-ce que vous savez que lui-même, M. Aboubakar Toumba Diakité, devant le pool de l'instruction et en présence de ses avocats, je pèse bien mes mots, a déclaré ce qui suit. Et je fais allusion à la page. Alors, page 4 de son procès verbal d'interrogatoire, c'est une façon de confirmer ce que vous avez appris.
Ça, c'est lui qui parle. Je n'invente rien. On lui a posé la question suivante. Le CNDD formé, quelle fonction a-t-on accordé? Je vous lis la réponse que monsieur Diakité a donnée. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. N'est-ce pas une façon de confirmer ce qu'on vous disait partout? Oui, si c'est lui qui l'a dit, c'est ça. N'est-ce pas ce qui justifie le fait que Touma était tout le temps avec Marcel? Souvent, oui. Très bien. En dehors de Touma, je vous dis ce que lui, son secrétaire à lui, le secrétaire de Touma, c'est-à-dire celui qui détenait son papier, son bras droit, je vous dis ce que lui, il a dit. Monsieur le Président, je me reporte sur le procès verbal de monsieur Alpha Amadou Baldé, précisément sur la page 2. Avec la permission du tribunal, je vais lire ça pour conforter ce que vous venez de dire. Question. Au moment de votre arrestation, dans quel corps avez-vous exercé-vous vos fonctions? Il répond. J'étais dans le régiment commando de la garde présidentielle. Quel est le temps que vous avez fait dans ce corps que vous venez de citer? J'ai travaillé dans ce corps de janvier à décembre 2009. Et c'est lui qui l'a recruté, hein? De janvier à décembre 2009. N'est-ce pas la preuve que de janvier à décembre 2009, c'est Touma qui était le patron de la sécurité présidentielle? Selon vous? Bon, je n'ai pas de réponse à ça. Et pourtant, vous devez répondre. Une autre question? Je n'ai pas de réponse parce que vraiment, je continue. Ce régiment-là, je ne connais pas grand-chose parce que je ne suis pas intéressé. On m'a dit dès le début. Je continue. Hein? C'est pas mon... Je continue. Oui, c'est vous. Une autre question. En quelle qualité? Voilà ce que Alpha Amadou Baldé a répondu. Secrétaire de régiment. Y a-t-il eu un acte administratif? Je fais partie de la liste des quatre premières gardes rapprochées du président de la République. J'ai été choisi par le lieutenant Aboubakar Touma Diakité, qui était alors le médecin-chef et chef de l'école nationale de la gendarmerie. Le médecin-chef de l'école nationale de la gendarmerie nationale. Pourquoi le lieutenant Aboubakar Touma Diakité vous a-t-il choisi parmi cet effectif? Voilà la réponse que ce gendarme donne. C'est un gendarme, hein? En fait, je connaissais l'outil informatique, bureautique. Il m'a choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies et en même temps pour effectuer les travaux de secrétariat. Qu'en pensez-vous? Si c'est venu de lui, c'est ça. Je n'ai pas de commentaire. Très bien. On continue. Je continue toujours avec l'autorisation et la tolérance. L'indulgence. Mon général. Président. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale. Je vais lire, puisque les débats sont publics, ça va être discuté ici, quelques passages de la commission d'enquête de ce rapport pour les confronter à vos propos, et le tribunal va cerner si ce que vous dites c'est la vérité
ou si ce n'est pas la vérité. À l'attention de tous, je vais lire la page 7 du rapport de la commission d'enquête internationale, notamment le paragraphe 20, où c'est clairement écrit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté. Vous confirmez ça? Vous confirmez? Oui. Avec la pleine coopération de celle-ci. Vous confirmez? Oui. À l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou restées sans réponse. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son autorité qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Une requête de la commission adressée au ministre de la Défense en vue de visiter les camps Koundara et de Kassa est restée sans réponse. Et la copie du rapport établi par la police technique demande par la police technique et scientifique au stade et au commissariat de Bellevue demandé plusieurs fois oralement au directeur général de la police n'a jamais été obtenu. Alors, si le commandant Aboubakar Toumba Diakité, je viens de vous décrire ses fonctions, a refusé, comme vous l'avez fait, de faciliter la tâche à cette commission, qu'en pensez-vous? Il devrait normalement aller répondre et puis... S'il n'a pas répondu, oui. Ça veut dire qu'il cachait quelque chose, n'est-ce pas? Évidemment, je ne veux pas commenter ça, mais ça n'engage que... Je respecte votre réponse. Je fais allusion aussi à la page 49, notamment le paragraphe 231. Je vais lire. La commission a toutefois reçu des centaines de témoignages selon lesquels le lieutenant Toumba était présent au stade et que la plupart des violations les plus sérieuses ont été commises par les bérets rouges en présence et sous le commandement du lieutenant Toumba. N'est-ce pas le contenu de ce rapport confirme ce qu'on vous disait, ce que vous appreniez dans les couloirs? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je respecte également votre réponse. Je vais continuer. Alors, dans le même rapport, l'aide de camp du lieutenant qui fait office d'adjoint, le sous-lieutenant Marcel Koyibogi, c'est comme ça ils ont écrit, je lis comme tel, a été vu par plusieurs personnes en train de tirer sur la foule. Tandis que les témoins affirment que le lieutenant Toumba contrôlait ses hommes dans le stade. N'est-ce pas, ça conforte encore ce que vous aviez appris et que vous avez soutenu ici à cette barre? Parce que c'est son avocat qui vous disait, vous ne preniez pas les choses au sérieux. Mais vous avez dit ce que vous avez appris. Si c'est confirmé ailleurs, n'est-ce pas la vérité qu'il était au stade avec ses hommes? Si c'est confirmé ailleurs, c'est que ça doit être ça la vérité. Très bien. Est-ce que vous savez que l'une des victimes, en l'occurrence, et là, Maman de Seul d'Alain Diallo, a aussi soutenu dans son procès verbal que tout allait bien au stade. L'atmosphère était bonne enfant. Ça criait, ça dansait, ça priait. Mais dès que le commandant Toumba est rentré avec ses hommes, les tirs ont commencé et la débandade a commencé à continuer.
N'est-ce pas cela conforte également ce qu'on vous a dit sur M. Aboubakar Touma Diakité? Pas de commentaire, s'il vous plaît. Vous devez assumer, mon général. Bien. Monsieur le Président, si vous pouvez permettre qu'on puisse lui montrer juste ce document pour lire en moins d'une souris. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez... Bien sûr. Je voudrais, avec la permission du Président, qu'on puisse lui laisser visionner, même si c'est pour 10 à 20 secondes. Okay. La première, c'est juste un truc de 2 ou 3 pages. Allez-y avec la question. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez déclaré tout à l'heure que Siam relevait de votre autorité, militairement parlant. Militairement parlant, à partir du moment où Siam relève de votre autorité, est-ce que c'est normal, est-ce que vous trouvez normal que des recrues formées dans ce centre peuvent être affectées au régiment sans que votre signature ne soit apposée sur les actes d'affectation? Non, parce que, excusez-moi, ceux qui étaient à Kissidougou, et à Kindia, à Cancan, à leur sortie, on a organisé même leur examen de sortie. On a envoyé une mission pour les examiner et ils ont été affectés dans les unités. Très bien. Vous avez Je n'ai pas géré le temps là. Vous avez ici un document signé de M. Aboubakar Toumba Diakité, document par lequel M. Aboubakar Toumba Diakité signe en qualité d'aide de camp et commandant du régiment. C'est écrit noir sur blanc, vous avez vu? Oui, j'ai vu. Quand on dit s'il n'y a pas d'acte, mais dans les faits, on sait ce qui s'est passé. Où il affecte 26 sous-officiers, tous des caporaux, au sein du régiment, sans passer par vous. Est-ce que vous trouvez cet acte normal? C'est pas normal. Très bien. Vous aviez connu un certain adjudant-chef de bataillon, Ibrahim Assano? Ibrahim, hein? À l'époque, il était sous-lieutenant, Ibrahim Assano. J'ai entendu son nom, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et il travaillait où? Je dis, j'ai entendu à la garde présidentielle là-bas. À la garde présidentielle, n'est-ce pas? Mais je ne le connais pas personnellement. Hein. Le parquet ne s'intéresse pas aux choses comme ça. Vous avez entendu parler d'un certain Yacine Baldé? À l'époque, des fois, il était sous le commandement. Je crois que c'était l'adjudant-chef de régiment. Très bien, très bien. C'est lui, quand il y a rassemblement, c'est son rôle de rassembler, donner, comment on appelle, le commandement au commandant de corps. Vous avez vu sa signature? L'effectif, tout ça, c'est lui qui présente l'unité à l'officier supérieur. Est-ce que, avec la permission du président, vous pouvez expliquer au tribunal la fonction de l'officier de garnison de régiment? Sa fonction, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. L'officier, comment on appelle? De garnison du régiment. Voilà. Il est chargé de conduire le rassemblement. Les effectifs dans les rangs, c'est lui qui relève, et parce que chaque unité lui présente, il relève la situation d'effectifs. C'est lui qui planifie la garde dans l'unité aussi. Donc il a une responsabilité vraiment. Très bien, très bien. Et l'adjudant-chef de bataillon.
C'est ça, c'est son subordonné et l'adjudant-chef travaille avec lui, lui remonte toutes ces informations. Vous avez ici trois signatures. La signature de l'adjudant-chef du bataillon et l'officier de garnison de régiment. Et en bas, le patron, le commandant du régiment, aide de camp. Alors, une personne qui décide sans consulter l'état-major des armées d'affecter 26 sous-officiers sans passer par vous en qualité de chef de la sécurité présidentielle, sans décret, sans arrêté, sans aucune décision de nomination, est-ce qu'on ne peut pas conclure que dans la réalité des faits, ce que nous qualifions en droit d'ailleurs la théorie de l'apparence, il était, quand il dit, il, Aboubacar Toumba Diakité était dans la réalité le commandant du régiment. Est-ce qu'on ne peut pas conclure comme ça? Pour ça, je n'ai pas assez de commentaires parce que moi, je n'ai pas vu l'acte pour confirmer qu'il était commandant. Mais tout le monde le disait qu'il est le commandant. C'est bon. Mais je n'ai pas vu l'acte. C'est bon. C'est ce que je voulais dire. C'est bon, ça va. Voilà. Parlons de Toumba. Il est passé ici. Monsieur, mon général, regardez le tribunal en face. Honnêtement. Honnêtement. Quand Toumba s'est déplacé, il s'est déplacé avec au moins combien de véhicules? Ah, je me rappelle pas de tout ça. Mais quand il se dépasse, il avait ses hommes derrière lui. Il se déplaçait qu'avec un seul véhicule? Hein? Quand il s'est déplacé, c'était avec un seul véhicule? Non, il avait son véhicule et puis ses hommes lui suivaient. Je sais que vous, quand vous avez... N'ayez pas peur, vous êtes quand même un général là. Dites les choses. Non, mais c'est ça. Mais je ne connais pas le nombre de véhicules. Est-ce que ça dépasse trois véhicules? Au moins. Chaque fois que moi j'ai un ou deux comme ça. Très bien. Mais pas. Et avant vous ici, tout m'a dit que si ce n'est pas dans les missions du président, il se débattait toujours seul, sans garde-corps. Entre vous deux, qui dit la vérité? Maître, vous savez, c'est très difficile pour moi de rentrer dans les détails que je ne connais pas. Très bien, c'est ce bon. Ce régiment-là ne relevait pas de moi. Très je bien. Je n'ai pas fouillé dedans. Oui. Parce qu'on ne m'a pas donné l'opportunité de le faire. C'est bon. Si on me demande les autres unités, je peux parler un peu. Je peux parler comment ça se passe. Mon général... Mais quelque chose qu'on ne t'a pas confié, c'est difficile vraiment de... Mon général, ayez le courage de vos réponses. Je vais vous rappeler ce que son garde-corps, Raphaël, a dit devant le cours de l'instruction pour confirmer ce que vous avez peur de certifier ici à cette barre. Vous étiez combien de gardes de corps? Voilà ce qu'il répond. Nous étions environ 500. Un peu plus en bas, on lui a posé la question. Vous étiez au nombre de combien derrière Toumba? Voilà ce qu'il répond. La garde personnelle de Toumba, la garde personnelle de Toumba était environ 150 hommes. Et chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 4 ou 5. Quant à moi, j'étais permanemment avec lui pour suivre ses actions. N'est-ce pas?
la preuve de la confirmation de ce que vous avez l'habitude de voir sur Toumba, que vous avez peur de confirmer ici, mon général? Oui, si c'est venu de sa garde, oui. Et si c'est vous, ok, très bien, c'est bon. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de, à l'époque, des faits, il était adjudant chef. Aujourd'hui, bon, au moment où on l'interrogeait, il était capitaine. Il a dit ceci. On lui a posé la question. Comme pour confirmer ce que vous venez de dire. C'est pourquoi moi, je vous ai dit que je vous croyais et vous devez continuer à assumer vos réponses. Qui fait la planification du régiment? La question a été posée à Raphaël. Voilà la réponse qu'il a donnée. C'est le capitaine Sano qui est actuellement avec vous ici. Regardez ce document. Hein. Ce n'est pas un document fabriqué hier ou aujourd'hui. Hein. Voilà. À l'époque, vous étiez aux affaires. Ça, c'est des documents là, de votre temps. Est-ce que cela ne vous amène pas à donner du crédit à ce document que je viens de vous montrer? Je pourrais vous faire une copie après l'audience. Capitaine Sano ou comment? On a posé la question à Raphaël, qui fait la planification du régiment. Vous avez répondu tout à l'heure ce que c'est que le adjudant-chef du régiment, ainsi de suite. Il a répondu que c'est le capitaine Sano qui est actuellement avec vous ici. Ça, c'est un peu plus tard, parce qu'à l'époque, voilà. Et Raphaël dit, au niveau de la page 3 de son interrogatoire, on lui a posé la question suivante. Quand vous aviez repris service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Voilà la réponse que Raphaël a donnée. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence. S'était rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Est-ce que vous, vous aviez caché des noms à la commission d'enquête internationale? Non. Si on cache des noms à la commission d'enquête internationale, vous, en tant que militaire, qu'est-ce que cela vous inspire? Si on cache, c'est qu'on cache quelque chose. Je vous en prie. On ne veut pas dévoiler. Alors, revenons sur le dernier point de mon intervention. Vous êtes témoin du ministère public. Est-ce que vous avez été témoin d'une situation dans laquelle vous avez vu le capitaine Moussa Dadis Camara donner des armes, des instructions à tel ou tel homme, civil ou militaire, d'aller au stade? Moi, je n'ai pas vu. Est-ce qu'on vous a une fois exhibé la preuve que le capitaine a donné des armes ou donné des instructions à X ou Y d'aller au stade? Non, je n'ai pas appris, je n'ai pas entendu. En conclusion, est-ce qu'on peut admettre que vous n'êtes témoin de la preuve des infractions qu'on reproche au capitaine Moussa Dadis Camara? Un des témoins? Non, en fait, je suis en train de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous n'êtes témoin d'aucune charge à retenir contre le capitaine Moussa Dadis Camara? Moi, non. Je vous remercie, monsieur le président. Bon, on va se limiter là aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de facteurs. Le tribunal renvoie alors cette affaire au 27 novembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.